Et salut tout le monde, c'est Crypto. Comment ça va tout le monde? En tout cas, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft PC pour la présentation d'Alan Surmodé. Attendez, j'enlève ça parce que ça fait chier. Voilà. Donc, comme je disais, c'est un serveur modé. Je vais vous expliquer ce qu'il y a en gros, mais je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a quand même un paquet de choses. Donc, je vais vous montrer le principal. Donc, le principal, c'est les véhicules, comme vous pouvez voir, les motos. Et les armes qui sont dans les coffres. Donc il y a plein de choix d'armes. Donc j'ai pris ceux qui me plaisaient. Et puis je vais m'amuser à shooter les PNJ. Et puis voilà. Donc déjà je vais montrer un peu les véhicules. Je vais conduire un peu avec. On peut même écraser les PNJ si ça peut vous amuser. Donc les motos c'est tous les mêmes sauf que c'est une couleur différente. Donc il y a rouge, bleu, jaune. Et vert, je crois que c'est du vert. Ouais, c'est du vert. Après, vous avez une voiture safari, je crois c'est. Ou je sais pas ce que c'est trop ça. Un peu bizarre. On a une Jeep et une voiture militaire, je crois, où on peut mettre un animal ou quoi dans la cage, je pense. J'ai pas essayé par contre. Donc, le lien du téléchargement du launcher sera dans la description de la vidéo si vous voulez le télécharger. Là, il n'y a aucun problème. Donc, on va s'amuser à shooter les PNJ. Donc, on va commencer par le coffre. Donc, on a un AK-47. Donc, je vais prendre les balles. Hop. Alors, on a AK-47 M16 avec un viseur holo graphique. Scarrel avec une visière à cog. Et ça c'est un viseur laser. Attends, hop, il m'a affiché un truc. Donc pour viser, moi c'est R et pour tirer. On peut même faire des dégâts à la voiture. Donc pour cette arme, ça c'était la K47. Celle-là, c'est un autre viseur. Donc, désolé, je me trompe de touche. Un petit headshot. Oh! Ça, c'est la M16. Et à lui, il va crever lui. Merde, ça, c'est quoi déjà? Ça, c'est une viseur à coque, je crois. Ou holo. C'est la Scarache viseur à coque. Ouais, j'avais raison. Je trouve ça super bien fait et super fun. Pour ça, je vais vous le montrer. Par contre, le PNJ qui passe à travers la voiture, c'est. T'es sérieux, il est invincible là. Ah bah, vous avez vu l'explosion d'un véhicule. Donc, je suis comme vous, je viens juste la première fois que j'en vois un exploser. Donc, c'est bien fait, hein, vous pouvez le voir que ça fait une bonne explosion. Un bon bruit aussi. Donc là on va poser les véhicules. les armes pardon. Parce que les véhicules on les a pas. Donc là il y a un Magnum, j'ai jamais essayé. On a la Vector. Et deux snipers. Donc le Barrett et l'intervention qu'il y a dans NW2. Si vous voyez un peu. Donc on va déjà faire le gun. Le gun, il n'y a pas de viseur, on vise pas avec le gun. La Vector avec y a un viseur holo. Voilà, petite full team. Là, on va faire les snipers d'ici. On va peut-être même un peu plus haut. Oui, je vous ai fait un petit décor, vous pouvez voir. Pour que ça fasse un peu avec l'ambiance, par contre, vous pouvez voir que bah, y a rien derrière. Il fait que là, une petite salle. Donc je vise. Viseur thermique. Ah, les motos, ils ont fait boum les motos. Donc ça, c'est
Dragunov. Ah ouais, l'intervention est là. Ah merde, j'ai pas pris le barrette. En fait, c'était Dragunov. Je crois que c'était le barrette. De toute façon, c'est à peu près la même chose. Merde, je suis tombé. Donc ça, c'est Dragunov. Autant pour moi, j'avais dit barrette. Donc le barrette, c'est la même chose, hein. Tu tires comme ça. Et normalement. Voilà, vous pouvez écouter le verrou quand on tire. Donc là, j'ai fait exprès, hein, de pas tirer dedans. Vous pouvez voir, je peux pas tirer tout de suite. Faut attendre qu'il y a le verrou. Qu'est-ce que je fous, moi? Merde, je suis le pauvre bébé. Vous pouvez attendre le verrou. C'est bien fait, franchement, j'aime bien. On va remettre ça dans le coffre. Et on va passer aux armes suivantes. Donc c'est les batteuses. Batteuses et fusil à pompe, là, gars. Hop. Donc, les batteuses, hein, c'est pas compliqué, tu tires et... Là, ça doit être la même chose, hein. Sauf qu'il n'y a pas de viseur sur celui-là. Ça, c'est le KG12. Ouais, KG12. On va pomper un petit gars. Et ça, c'est le Space 12. Ça, le Space 12, il fait mal. Voilà, on peut même casser les vitres. Je suis désolé si vous m'entendez pas trop à cause des bruits des armes, parce qu'ils font énormément de bruit dans mon casque là. Donc ça, je vous ai montré. Je vois pas ce qu'il faut là, le truc. Là, on passe au lance-roquette, un pistolet laser, donc pistolet du futur, et un lance-grenade. Donc là, c'est explosif. Donc on va commencer par le petit gun. Est-ce qu'il reste des PNJ? Parce que je les ai quand même bien butés. Il faudrait des grands. Là, il y a des petits, des sérieux. Attends, je vais en faire spawn. Vous allez écouter un bruit bizarre, c'est normal. Ils vont dire allô, tout comme ça. Hello, hello. Voilà, comme ça on peut bien les shooter. C'est un peu plus fun. Tiens, on va en mettre même dans la maison qui est déjà cassée. Voilà. Donc, pistolet laser. Et une distance de tir, je crois. Une balle et ils sont. Une balle et ils sont couchés. Donc, les lance-roquettes, c'est mes armes préférées. Les lance-grenades. Ça, c'est le lance-grenade. RPG-7. On va tirer tout de suite. On peut voir le recul énorme qu'il a. Voilà, ça, c'est le SWAT. Est-ce qu'il y a un truc pour viser sur celui-là? Non. Je crois qu'il fait moins mal celui-là, je sais plus. Oh bah j'ai plus de munitions. Voilà, j'ai plus de munitions. J'ai en train de détruire tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Hop 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 hop. Et dernier truc, c'est les grenades. Il y a 3 grenades. Après, je vous montrerai vite fait dans l'inventaire si tout ce qu'il y a. Donc les grenades, hein, différentes grenades. Ça, c'est du fumigène. Ça gère. Donc voilà. Je vais reposer ça et je vais vous montrer dans l'inventaire tout ce qu'il y a. Oh fail. Putain. Oula.
Donc dans l'inventaire, donc là il y a des, vous pouvez voir qu'il y a des disques en plus. Ça c'est quoi, un miroir ou quoi? Non, je sais pas du tout ce que c'est. Là il y a quoi en plus? Il y a deux cubes, une cube disco et Denfloor. Ah c'est pas mal ça. Tu crées une salle et hop, tu fais de la musique. Ça c'est quoi? Je sais pas du tout ce que c'est. À quoi ça sert? À moins que qu'on ait tué en danse, je sais pas. là, il y a la redstone. Il y a ça qui est en plus. Je sais pas quoi ça sert. Ça, il y a rien. Là, bah, les disques, je vous ai montré tout à l'heure. En bouffe, il y a rien en plus. Là, il y a rien en plus. Là, ils n'ont plus. Là non plus. Là non plus. Bah, j'ai montré tout à l'heure. Bon, les véhicules, il y a bah, tout ça, tout ce que je vous ai montré, tout ce que j'ai sorti. Ça doit être des pièces de véhicules pour les construire, je suppose. Ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Ça non plus. Ça, je crois que c'est une pièce de véhicule. En armes, vous pouvez voir tout le choix qu'il y a. Donc, je vous ai montré quelques-unes d'entre elles. Donc, plusieurs catégories. Vous pouvez voir qu'il y a une machine de mort aussi. Et des tenues militaires. Attends, j'en ai si une, tiens. C'est celle-là, moi. Essayons F5 pour voir. Bon, bah, ça fait vraiment militaire. On peut bien. Ça, avec cette. Ce camouflage, on peut bien se camoufler dans les arbres, je pense. Hop, on va voir. Aussi, il y a le mode de où on peut articuler les bras, tout ça, c'est bien. Alors, F5. On en était où? Donc. Les armes, vous pouvez voir tout ce qu'il y a. Donc armure. Là, il y a un petit outil en plus. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Bon, il y a un banc de menuiserie. Je vous montre ce que c'est. Ça, c'est un truc de. Je vais poser ces trois trucs. Sais pas du tout à quoi ça sert. Ça non plus. Ça doit être un truc à crafter, mais avec une. Une colonne en plus. Une colonne et une ligne en plus. Là, c'est plein d'armures différentes de tout type. Avec des nouveaux casques en tête de mort. Là, c'est d'autres armes, mais armes anciennes, on va dire. Pas armes mitraillettes, tout ça. Donc, il y a tout plein de. Je crois que c'est des couteaux qui se lancent, ça. Ça, je sais pas ce que c'est, des boucliers. Là, il y a une espèce de fusil, une moustique, une mousquet. Ouais. Je sais pas du tout ce que c'est, hein. C'est pas de mon âge, c'est pas de ma génération. Là, des haches de bataille, des tout type, des arbalètes, lance-pierre. Après, là, c'est des. Pas comment ce que c'est là il y a des armes, vous pouvez voir qu'ils ont fait un pistolet en bois, donc le premier qui arrive à faire un vrai pistolet en bois en vrai, bah m'appelle, sans mettre rien à l'intérieur, hein, juste du bois quoi qui tient. Ça en or, diamant, en je sais pas quoi, parce que c'est pas marqué, c'est en, voilà c'est ça, c'est du en. Des tridents, ça je sais plus que comment ça s'appelle, shuriken. Donc voilà, et là il y a plein de nouveaux trucs, des guitares, blocs de sang, je vous montre ce que c'est, des nouveaux minerais, il y a saphir, rubis, améthyste. Ça c'est quoi ça? Il y a un téléphone, je sais pas à quoi il sert.
Podentif. Anneau. Crâne. Ah, des lettres. Bah voilà, attends. Non. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Donc bah voilà. Je vous laisse. Ah oui, le bloc de sang, merde. Je suis désolé. Je voulais vous montrer ce que ça faisait. Donc c'est dans la main, c'est un bloc, mais quand on pose, c'est pas un bloc, c'est une tache de sang. Donc si on peut, on veut faire des si vous voulez faire des maps un peu horreur avec vos amis, bah vous pouvez venir dans ce launcher et faire bah vos maps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez le télécharger. Enfin, après, faites ce que vous voulez. Je vous le conseille. Moi, perso, c'est un que je kiffe beaucoup. Prochainement, sur la chaîne, il y aura des vidéos sur bah, Minecraft encore. Parce que avec mon cousin, on compte faire. On compte faire un genre de zombie sur une grande map. Sur ce launcher. Donc normalement quand vous téléchargerez le launcher vous aurez un serveur automatiquement et du coup bah vous pourrez aller sur le serveur et faire l'aventure qui vous propose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde et bisous, allez salut.